Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mohamed Henni. Vous le connaissez sûrement tous, Mohamed Henni est un influenceur qui aime bien s'en prendre à différents candidats de télé-réalité. En effet, Mohamed Henni n'apprécie pas du tout les candidats de télé-réalité. Dans cette vidéo, Mohamed Henni fait le ramadan et il s'en prend violemment à Thibaut Garcia. Mohamed Henni s'en prend violemment à Thibaut Garcia et il le clash violemment sur son physique. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Mohamed Henni et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Ça s'appelle comment ? Non, je dis pas. Dis la rira. Arrira bien qui rira le dernier, les gars. Ça s'appelle comment ? Non. Ah, les amis, tant que j'ai pas le ventre plein, je me plains. Ah, les amis, ça va, c'était pas dur aujourd'hui. Non, franchement, ça va. Un peu en début de journée, ouais, la soif. Oh, sinon, ça allait, ouais. Ouais, c'était pas si dur que ça, en vrai. Ouais. Ça va, c'était pas dur aujourd'hui. Ah, j'ai mangé une bonne harira. Oh là, dans ma tête, ça fait harira, c'est beau la vie pour les haris et les ourtis. Ah, j'ai mangé une bonne harira. Et pour ceux qui se plaignent que pendant 30 jours, ils peuvent pas avoir de rapport sexuel, pensez aux Aziz. Les Aziz, c'est toute l'année qu'ils n'ont pas de rapport sexuel, les gars. D'accord? Relativisez un peu, les gars. Relativisez. Tu les vois, les Aziz, les hypocrites. Ils sont là, les Aziz, ouais. Comment je vais faire pour pas baiser pendant 30 jours? Ça fait 30 ans que tu baises pas. T'as 30 ans, frère. T'as jamais fait l'amour. T'as fait vœu de chasteté. Sauf que c'est pas toi qui le veux, c'est de force, t'as pas le choix. Voilà, vœu de chasteté pour les Aziz, les gars. Ça, c'est le PSG en Ligue des Champions, là. Tout ce que vous voyez là, c'est le parcours du PSG. Ça, c'est pas l'OM, les gars. Voilà. Ça commence à faire un gros, gros budget, les gars. La vie de ma mère. Je suis perdant, voilà. Font chier, c'est parisien. Je vois souvent des messages par rapport aux télés cassées et c'est souvent des meufs. Ouais, t'as pas honte de casser des télés? Tu pourrais les donner à des gens, je sais pas quoi. Et vous, les meufs, vous cassez vos iPhones, voilà, pour des mecs qui s'en battent les couilles de votre vie. Voilà que c'est vrai. Un mec, il leur brise le cœur, elle brise leur iPhone, c'est pigeonne. Voilà que c'est vrai. Vous cassez trois iPhones. Trois iPhones par relation. La vie de ma mère, c'est vrai. Et c'est toujours pour des mecs qui s'en battent les couilles de vous. Voilà que c'est vrai. Elle cassera jamais son téléphone pour un mec amoureux. Non, voilà. Ça vous est jamais arrivé, les mecs? T'es au téléphone avec ta meuf, tu t'embrouilles, tu raccroches, tu la rappelles, répondeur. Toi, tu crois qu'elle fait la gueule? Tu crois qu'elle veut plus te parler? Tu crois qu'elle va te quitter? Non, les gars. Voilà, elle a juste pété son téléphone. C'est tout. Elle a rien contre toi. Elle a juste son téléphone contre le mur, mais rien contre toi. C'est tout. Stop! Arrêtez tout! Il y a Lionel Messi qui joue, les gars. Moi, je sais pas vous, mais je vis chaque match de Messi comme si c'était le dernier, les gars. Oh là là, profitez-en, les gars. Profitez-en. Bientôt, Lionel Messi sera dans les livres d'histoire. Oh là! Vous allez voir, il y aura des reportages sur lui dans 20-30 ans. Un jour, il y a eu un humain, d'accord? Qui était, oh, certes, super moche, mais super fort au foot. Oh là, les gars! Et dans 20 ans, vous regretterez. Quand il y aura des reportages sur Messi, vous direz, mais putain, je faisais quoi pendant qu'il jouait? Oh là! Les amis, la journée pendant le ramadan, j'ai du mal à réagir au foot et tout. Je suis trop faible. Mais le soir, les gars, après le ftor, voilà, vous connaissez l'after RMC? Vous connaissez ça? Eh ben, le soir, c'est l'aftour. Voilà, après le ftour, l'aftour RMC. Là, on peut parler foot, on peut parler ballon, on peut pas. Il n'y a pas de problème là. Là, je peux envoyer 40 débriefs à l'affilée, aucun problème, les gars. Mais avant le ftour, donc voilà, les gars, il y a l'after RMC et il y a l'aftour RMC. Ben, ils vont le faire un jour, voilà. Oui, les gars, à la mi-temps, je vous ai parlé de Messi. Il a pas déçu, les gars. Voilà, ce petit lutin, il a mis un doublé encore. Profitez de lui, les gars. Voilà, profitez qu'il est encore là, les amis. Voilà. Oui, les gars, à la mi-temps, je vous ai parlé de Messi. Il a pas lieu de comparer Messi et Ronaldo, les gars. Profitez. Maman, oh. C'est Youpi. Wesh. T'as pas 50 euros à me dépanner, maman, s'il te plaît? Tu veux faire quoi avec 50 euros? Je veux aller baiser des putes, maman. T'es malade, c'est le ramadan. Ouais, ouais.
Mais moi, je fais pas le ramadan, bordel, Momo, j'ai les boules pleines, j'ai envie de baiser, Momo, comprends-moi, Momo. Oui, oui. Ma mère, ça fait du bien. Mais ferme ta grosse gueule, Momo, on s'en fout de ta vie de merde, Momo, démarre la voiture, on va au putain d'Espagne, Momo, j'ai envie de baiser, viens, on va au bordel, Momo. Oui, oui. Ma mère, ça fait du bien. Les amis, j'ai deux testicules et une parole. Comme promis, je vous ai dit, si le PSG élimine le Bayern Munich, j'escalade la Tour Eiffel à poil et je m'assois sur la pointe. Voilà, j'ai qu'une parole, mais le PSG est loin d'être qualifié. Il y a tout à faire encore, il y a tout. Une grosse pensée pour les Thibauts. Tous les Thibauts, ils sont moches, pleins de boutons, des boutonneux. Voilà. Et je connais pas un Thibaut qui s'en est bien sorti niveau beauté. Voilà. C'est plus Thibaut, c'est Timoche. Voilà, Timoche, frère. Voilà, et des fois, il doit y avoir des Thibauts. La meuf, elle appelle. Hé, hey, Thibaut. Ah, je suis beau. Non, Thibaut. Ah, ok. Voilà. Hé, hey, Thibaut. Ah, merci. Toi aussi, t'es belle. Non, mais j'ai pas dit t'es beau, j'ai dit Thibaut. Je t'ai appelé, en fait. Ah, pardon. C'est comme les Aziz, les Thibauts. Voilà. Neymar, c'est toujours pareil avec les meufs. Toi, t'es tout gentil, tout respectueux. Voilà, t'es là. Excuse-moi, jeune demoiselle. Oui, au vagin dégarni et impur. Je t'ai observé de loin avec un camarade. Je n'ai pas osé te parler. Je sais que tu sors d'une relation compliquée. J'ai pas envie de briser ton cœur qui est déjà en miettes. Mais j'ai plus envie de le reconstruire, construire un avenir ensemble, entamer une relation amicale qui, pourquoi pas, vous pourrez déboucher vers une relation sentimentale et voire même une relation sexuelle dans du long terme. J'aimerais bien qu'on s'apporte un bien mutuel, que toi tu m'apportes comme moi je t'apporte. Dans le mot apporte, il y a le mot porte et c'est ensemble qu'on va ouvrir des portes. T'es un autre bâtard, il arrive. On baise. Eh bien, on baise. Allez, on baise. Et il a baise. Oula, il a baise. Donc... Jusque-là, je les ai. Jusque-là, je les ai. Jusque-là, je les ai. Jusque-là, je les ai. Ah, les amis, c'est dur aujourd'hui. Et commencez pas à me dire c'est dans la tête. Hein. C'est pas dans la tête, c'est dans le ventre. Bon, là, j'ai mal au ventre. Tant que j'ai pas le ventre plein, je me plains. Tout ça. Le démarrage au péage, c'est les 24 heures du Mans. Oh là, c'est le Grand Prix de Monte Carlo, les gars. Oh là, je sais pas pourquoi on démarre comme des malades. Oh là. Regardez les démarrages, les gars, regardez les voitures. Regardez les gars, voilà, vroom vroom. Moi tranquille, j'attends le f'tor, pas besoin d'accélérer, voilà. T'as vu quand t'attends le f'tor, tu fais le tour de rond-point, tu fais 10 fois le tour du rond-point. Voilà l'adim. Voilà, ton magasin, quelqu'un veut te laisser passer. Allez-y monsieur, passez, non merci. Voilà, vous passez. Oui mais j'ai plein d'articles, c'est pas grave, passez devant. Regardez les gars, voilà, Grand Turismo. Regardez-moi, c'est malade. Oh, calmez-vous les gars. Oh, oh les 24 heures du Mans. Calma, calma. On me dit, ouais, Momou, en fait, t'as peur d'aller vite parce que t'es un peu heureux. Peureux, peureux, c'est un grand mot. Hein. Ah, les gars, attention, la livraison de tiramisu, les gars. Kenza, vite, bip, 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 tiramisu spéculoos à l'arrière. Livraison avant le tour. Attention, la livraison de tiramisu. Trop beau Saint-Etienne, les gars. Magnifique. Trop beau Saint-Etienne. On va manger, on va s'hydrater. Oui, c'est le tour. La, 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 wouhou.
Là, les amis, c'est la vérité. Tout est dans la tête, les gars. Regardez, c'est l'heure du f'tor. Je suis en retard et j'ai plus faim. Oh là, les gars. Comme je sais que c'est l'heure, que je peux manger, eh ben j'ai, enfin, j'ai plus faim, c'est un grand mot. De toute façon, à quoi ça sert d'arriver à l'heure, frère? Oh là, il y a toujours du temps additionnel pour le f'tor. Oh là, 5 à 6 minutes, voire 10 minutes, frère. La vie de ma mère, c'est vrai. Sahab tolkom à tous, les frères. Profitez bien, mettez l'estomac à l'abri. Et j'espère que vous n'allez pas trop avoir de temps additionnel ce soir. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.